amis compatriotes qui viennent à Haïti.com, nous portons tout en détail pour vous, toute explication, tout éclaircissement sous la mort ou bien assassinat 4 policiers hier. Gros de blouse a pété entre la police et vite l'homme et je dis à la. Et c'est gros deuil qui a famille, policiers ça aussi réel, c'est deux mains en tête qui famille, amis et camarades. Donc policiers ça dans le moment n'a pas parlé là, pas qu'à consoler parce que devant un garçon, ouais photo yo, devant un nèg qui au même temps là encore vivant à Bayan et la police là bon service, mais malheureusement, mais qui ça je dis à yo recevoir par rapport avec et mal fonctionnement ou bien mauvais dirigeant qui au même a dirigé police là et je dis à nous France LB, nous commissaire et police Pétionville, l'annexe ça ou pral gen pour répondre et questions sur diverses accusations qui fait comme quoi nèg yo ta complice dans ça qui passé à là, nous voyons comment vite l'homme à l'aise pour la retirer la vie policier, nous voyons comment l'homme sans jour à l'aise pour la retirer la vie policier, nous voyons comment Iso à l'aise pour la assassiner policier, est-ce que nous jamais et donc DGPNH là, j'aime sortir une note pour le dire. Donc, mais combien de policiers perdus qui mourent, mais ça va différer policiers, mais ça va différer la police. Pas jamais une note qui sorti. Jusqu'à ce qu'on y en a parlé là, France LP, pas jamais, mais une conférence de presse pour le tabac, pour le. Et donc, informer le peuple là de sacrifier pour le bail détail, parce que tout le monde a posé question, qui n'a pas une réponse, qui a une mauvaise pensée dans la tête chaude, mais on a besoin DGPNH là, France LP, pour le bail en détail. Sous sacrivia pour ta dit nous combien policiers qui mourit parce que nous dit 4 qui doit être plus même les cas 5 les cas 6 mais détail ça yo donc il est vraiment difficile pour nous connaître mais bien à cela qui au même gain et donc il y a des renseignements, il y a des gens qui ont enseigné pour yo cap chercher information pas par là les on drame ou bien incident il vient dans la police là mais jusqu'à qu'on y en a parlé là pas de monde qui j'aime dit en rien même sous site la police là même sous page officielle nous pas ouais en rien. Et bien dans vidéo ça nous pourrons faire autant de Lionel Lazare qui est un gros chef et donc dans la police là qui fait partie de syndicat police nationale là qui lui même pralman nous détails qui pralman nous explication qui pralman nous toute histoire cachée qui gagne derrière assassinat crapule ça qui fait en sous et 4 policiers ça et gagne un policier qui évite l'homme lui même aller avec un cadavre. Jusqu'à qu'on en a parlé, la personne pas connaît. Est-ce que le cadavre ça lit encore là ou bien vite l'homme enterré ou bien tout négio faire ça ouvrir avec elle? Et bien dans la vidéo, ça nous va inviter ou en jouer une réponse à toute question ça. Et pas oublier quitter commentaire en bas vidéo ça pour dire nous qui sont pensés, pour dire nous qui côté tout ou à suivre nous qui côté et donc ou à regarder vidéo ça. Bon écoute tout le monde, bon samedi, on a tourné pour une prochaine. Bon, et qui compréhension de action ça qui passe, frère? Et en nous disant en bon col, action terroriste ça qui passe là, qui compréhension étant que responsable syndicat? Bon, compréhension de ça qui passe là, nous trouvons que son bagage qui est vraiment drôle. Nous avons constaté nous avons 4 policiers qui perdent la vie. Puisque je vous dis à la main de mon pratique, depuis que je prends un policier, je connais que famille est jeune. 4 jeunes policiers, mais qui très fougueux, qui ont même perdu la vie. Comment si on nous laisse passer à tout montrer nous que bon problème de leadership au niveau de la police nationale d'Haïti, comme si nous capable de tout le monde fait ça oublier, sans contrôle, et nous connaît que la police nationale, c'est son qui lui a suivi que nous. Même si t'as gagné des mondes dans ces deux zones, t'as demandé la police. Parfois, des groupes négamés dans une salle. Nous croyons que c'est des bagailles qui t'ont mis coordonné pour pas qu'à, et de lever qu'on soit pour se bourrer pour aller dans une zone, et négio, ce sont ces deux mecs qui, bien équipés, négio, qui ont pile dans la manche dans le même et puis pour décider de policiers aller là-dedans comme ça. Nous déployons ça, nous mettons niveau aussi ma voix, ça son coup dur pour la police nationale d'Haïti, c'est presque typiquement avec ça qu'il est dans le village de Dia, sauf que nous ne pas faire une vidéo, ne pas prendre policier pour montrer le mode comment il n'est pas passé, mais pas une différence.
il y a 4 policiers, 7 policiers communes de la Médio, et bien là, il y a 4 policiers qui mourent, et il y a une équipe blessée. Donc, quoi que, j'en débarrasse ça, je ne vais pas faire non plus. L'équipe doit corriger, je ne vais pas faire comme ça encore dans la police. Là. Nous t'entendons les audios en talé, hein, et nous trouvons ça pas normal. Comment fait que les policiers ont relé, ils ont demandé aide, et le commissaire n'a pas voué aide là. Comment comprendre ça, frère? Mon bas, c'est que il connaît n'importe qui, mon nom, depuis la détresse, il demande aide, comme des mounes. Pardon, personne qui est capable de dire au secours à elle. Pour pas venir au secours à elle, la loi publie et les gens de comportement ça. Comme des policiers, c'est dans les activités personnelles, ils parlent. Depuis le moment de support, il faut qu'ils joignent. Nous avons un paquet de voix, côté que les policiers ont demandé l'enfant. Là encore, c'est pour nous que ce n'est pas ton opération qui est planifiée, parce que dans le cadre de l'opération qui est planifiée, bien ça, c'est les gens qui sont là, en cas où il y a une difficulté pour être capable de bien prendre et voir le backup. Dans le cas de la police, c'est ça, c'est pas très bien, bien que c'est responsable commissariat. Parce que nous avons des policiers qui font nous connaître que c'est son commissariat qui peut aller, qui peut voir monsieur à l'air bas. Et nous avons bien chance de parler avec le directeur départemental de l'Ouest, qui est Jolicoeur. Et nous avons bien chance de parler ensemble avec lui. Et donc, nous avons fait nous comprendre que ce n'est pas une opération qui est planifiée. Madame du commandant, c'est une opération qui est planifiée, qui s'est réveillée. Parce que cette police est allée dans la chambre de bagage, ça a une bonne idée pour mettre nous pour parler avec nous. Mais c'est que demain, si demain, la guerre pour nous avec, pour nous parler ensemble avec lui. Mais c'est vraiment un coup dur, comme nous que moi-même, ça fait. Maintenant, voir mon cas, ça a dévasté, complètement dévasté par voir ça passer là. Mais étant que coordonnateur sénateur ou représenter syndicat la police là, mais qu'on y a là qui ça nous prévoit faire beaucoup de syndicats, parce que nous mêmes bonne population, hein, que ce soit en Haïti, que ce soit en diaspora, nous mêmes nous pensons son révolte qui t'a dû faire, t'as dû gon révolte totale envers commissaire ça, puis pour pas dire envers France LB, puisque ou même encore ou dit gagne compétence gagne monsieur ça pas diriger vraiment, mais nous mêmes beaucoup de syndicats. Qui ça que nous prévoit, étant donné que 5 policiers qui étaient déjà morts dans le village de Dieu, mais ça vient répéter là en 2023, beaucoup de syndicats, monsieur, qui ça nous prévoit faire pour ça pas répéter, frère? Moi, je pense qu'il y a des réflexions qui sont faites pour nous connaître qui ça que nous avons supposé faire. Mais là, on a questionné le comportement de l'État, qui est responsabilité de l'État, dans sa date passée, ou estimé que pas gagné, c'est vrai. Bon côté l'État pour freiner le phénomène de sécurité a, et regarder que les gens tellement libres, les gens font ça, les gens agissent côté ouvrir, les gens opèrent sans pas paniquer ou sans sécurité, les gens à l'aise et les gens mettent l'État hors de route, qui donc les gens montrent que les barons l'État. Et de montrer que pour nous-mêmes, l'État n'est pas existé encore. Parce que nous devons aller pour faire ça oublier. Et les policiers sont tombés par ci par là. Donc, nous croyons que les gens de bagages, ça, ils n'ont pas dû répéter. Encore, les gens nous l'ont donné des réflexions que nous avons faites au niveau syndical pour garder qu'ils font des réponses peut-être qui nous cabaillent. Comment nous sommes capables de demander pour améliorer les bagages. Qui s'est capable de faire pour nous passer trop par là. Et encore là, on a prêté dans le même cadre syndicat. Leur action, quand ça arrive, ou même qui dans le syndicat, qui ça nous prévoit pour les policiers qui sont victimes, bon côté madame, probablement, il y a madame, il y a petite. Par contre, si vous avez, vous êtes capable de annoncer ça pour nous connaître. Mais qui ça syndicat prévoit dans le cas ça? Bon, parce que syndicat, nous-mêmes, on connaît que nous pouvons gagner autant de moyens que nous qui permettent que si on policier en difficulté, et peut-être nous sommes capables de supporter madame, mais
nous là pour nous accompagner au fait des marches bon côté des agents la police nous connaissons que c'est mon décret 1er juillet 2022 qui sont passés là et côté que l'État prend responsabilité bien que c'est un bail qui régule les pays pour dédommager famille petite police qui fonctionne donc policiers ça qui mourent dans le travail et donc quoi que l'État a gagné pas de responsabilité dans sa capacité là parce que l'État qui peut créer les conditions pour permettre que les policiers capables de travailler et nous-mêmes d'assurer à la lettre non mais quand même nous c'est syndicat nous gagnons responsabilité en pile nous pas qu'à attendre après l'État parce que si nous attendons après l'État rien pas fait et même j'en ai normalement syndicat policier ça nous supposons que au syndiqué donc si pour nous faire grève ça pas le travail ça qu'a font temps pour pas bailler Ariel pour pas bailler ça sécurité c'est ça qui est pour faire parce que nous c'est syndicat policier ça il faut que protéger yo et nous y a tomber à droite à gauche nous pas normalement syndicat supposé complètement indépendant de équipe pouvoir parce que justement c'est ça qui travaille nous là pour nous protéger même gens policiers là pour servir protéger mais syndicat nous doit aller encore plus loin nous pas capter après gouvernement parce que c'est vraiment important alors, et monsieur Lazare alors moi même parle de ça gouvernement prend comme responsabilité et moi sur d'autre syndicat nous avons des réflexions qu'on a fait pour nous garder dans un temps qui va trop loin qui forme des réponses que nous capable bail pas doute que nous pas faire non mais pour qu'on ait faut réfléchir faut garder qui forme des réponses que nous capable mais et nous que normalement nous sommes à faire introduction de ça normalement l'on accident rivé comme ça pour pas dire un accident aussi grave rivé dans tout le pays tout, automatiquement gouvernement l'État et que ce soit président premier ministre yo tout yo gantan décrété un état d'urgence et syndicat bon côté pas le tout mais dans cas ça jusqu'à maintenant m'a parlé avec vous là étant que représentant syndicat nous que l'État ça qui pas existé hein, même au tweet même yon tweet, bon côté Ariel Henry, pas sorti, et puis... Bon, c'est un bagage que nous dénoncer presque chaque jour au niveau syndicat, côté que nous, des fois, même bon côté direction générale la police, pas grand note qui sorti pour sympathiser par rapport avec la mort on sait, des policiers, surtout des policiers qui nous exercent fonction et par même tout bon côté que mon côté commissariat Henri pour dénoncer ça et donc nous reprocher ça parce que s'il y a des policiers qui nous exercent fonction et nous pas tout conseil de barre qui qu'on a passé qui parle même concerné pays d'Haïti donc on aurait quelqu'un des dirigeants qui a tweet oui. Pour sympathiser avec pays ça ou bien avec sa privé conseil de monde mais bon là quand pas nous pas jamais ça fait facile puisque premier ça y Henri monsieur chef CSPN monsieur vice président CSPN parce que lui c'est premier ministre à la fois ministre intérieur qui donc il a double rôle double responsabilité par rapport avec l'Haïti bon après c'est sûr pour nous demain et pour nous est-ce que qui ça qu'a fait est à supposé gagner un CSPN spécial nous-mêmes nous proposer que faut qu'un CSPN spécial qui organisé au plus tard pour accentuer ce problème de sécurité là pour connaître comment qu'il y a moyen parce que je dis là gouvernement pas gagner une priorité sécurité pas une priorité pour lui parce que c'est des priorités pour lui mort garantie gens que bah là il a c'est là que nous dénonçons nous-mêmes au niveau Sénat. Nous souhaitons que les responsabilités qui prennent, et comme nous là, nous réfléchissons, nous regardons dans le temps qui passe trop loin, comment nous sommes capables de faire pour ça. Mm-hmm. Nous, la communauté internationale, là, a pression, et nous avons dit que nous allons supporter la police d'Haïti. Et puis, évidemment, il y a parlé d'élection, mais nous-mêmes, beaucoup de syndicats, est-ce que nous devons parler? Est-ce que nous devons dire un mot dans tout ça qui a passé là? Étant donné que nous, la population, n'a pas fait Ariel Henry confiance, et nous, qu'on a une implication, le présumé, l'assassin, et l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais nous-mêmes, beaucoup de syndicats, qui ça nous dit, messieurs, dans tout ça? Que ce soit dans l'élection, que ce soit... Voilà, malheureusement, nous perdons.